ça a débuté très doucement. On s'est pas dit, ah, on va commencer une collection de crèches. Moi, pour ma part, ça a commencé presque en même temps, mais c'est venu comme une inspiration différente pour les deux. Pour ma part, j'étais dans un magasin de Noël et j'ai comme arrêté devant une crèche qui était tout à fait à mon goût. Et puis, je l'examinais, je regardais ça. Alors, on circule dans les allées pour voir les choses de Noël. Puis, j'étais complètement arrêtée. Je regardais ça avec admiration. Puis là, Marcel est venu me chercher, puis il dit, mais tu t'en viens-tu? Là, j'ai dit, oh, mais je trouve ça tellement beau. Si on n'aurait pas de crèche chez nous, je l'achèterais. Bien, il dit, bien, on peut l'acheter. Alors, de m'entendre dire aujourd'hui, ben c'est bien trop de crèches dans une maison, à la quantité qu'on a aujourd'hui. Ben lui, il dit, ben c'est pas grave, deux crèches, ça. Il dit, moi, j'ai dit, c'est vrai, c'est pas grave, deux crèches. On en aura une en haut puis une en bas. C'est que là, il dit, ben on va l'acheter. Ah, j'ai dit, OK. Alors, pour ma part, ça a commencé comme ça, un achat de crèches spontanées. Et l'amour des crèches, l'amour de voir différents personnages, différentes façons, différentes textures, et en tout cas, ça a parti de là pour ma part. Moi, je suis allé au marché aux puces. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le marché aux puces qu'il y avait sur la route de Saint-Martin. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, il y avait une crèche qui était accrochée après un mur. C'était des crèches qu'il y avait anciennement dans les restaurants ou les... En tout cas, dans les restaurants, on voyait ça, ou dans les maisons. C'était accroché après le mur. C'était lumineux. Et puis, j'ai dit à Hélène, oh, ben, je vais acheter cette crèche-là, puis je vais la mettre sur Internet pour la vendre. Mm-hmm. Et puis, j'ai acheté cette crèche-là. C'était une vieille crèche antique. Là. Ça avait peut-être... une quarantaine d'années. Et ça a été ma première crèche. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Je ne l'ai pas vendue, je l'ai gardée. Et moi aussi, ça a commencé comme ça. Et après ça, on est allé aux États-Unis en voyage au mois de janvier. Et là, on a acheté une crèche. On a acheté cette crèche-là dans un magasin. Et ça a commencé. Puis après ça, on a commencé à acheter des crèches. Mais c'est venu, comme Hélène dit, spontané. On a acheté des crèches. Là, on achetait des crèches, puis... C'est venu comme ça. C'est une passion qui s'est développée au fur et à mesure du temps.
On s'est mis à découvrir qu'il y avait différentes postures. Parfois, la Vierge tient l'enfant. Et alors, on s'est toujours émerveillé de voir les textures en tissu, en bois, en métal, en porcelaine, en verre, en cristal. Alors, tout ça nous a captivés. Après ça, on a partagé notre amour des crèches avec les gens. Alors, on avait des amis qui voyagent. Nous aussi, lors de nos voyages, on rapportait des crèches, c'est sûr. Mais là, on a des amis qui font des voyages que nous, on ne fait pas. Alors, qui nous ont rapporté des crèches lors de leur voyage. Alors, c'est des cadeaux incroyables. Alors, on a des crèches d'une centaine de pays, alors des pays où on n'ira jamais, on ne pourra jamais aller dans ces endroits-là. Alors, c'est qu'on a des belles crèches qui viennent de pays incroyables. Hein, un peu partout, c'est ouais, ça, dans le monde. Donc, c'est agréable dans ce sens-là. Puis, ça l'a donné le goût à plein de monde aussi de connaître la crèche. Mais ce qui est agréable, c'est qu'on a environ 1000 crèches présentement.
j'en ai une qui est ici, là, qui est mon coup de cœur. Mais en fait, ils sont tous nos coups de cœur. C'est difficile de dire, mais j'en ai une qui est ici, qui est notre coup de cœur, effectivement, pour moi. Et puis Hélène, elle en a aussi, qui est son coup de cœur. Parfois, on sort une crèche, puis je dis, oh, moi, c'est ma préférée. C'est, des fois, les gens, ils me demandent si tu aurais à en garder une. Là, dans ma tête, j'essaie de sélectionner. Oh, oh, je pense que ce serait ma crèche rouge. Oh non, telle autre, celle qui vient d'Assise. Oh non, celle qui vient de... Et j'ai de la misère à en garder juste une. Pour moi, j'en garderais au moins une dizaine, une vingtaine, parce que j'ai de la misère à en sélectionner une, tellement que j'en ai eu... Il y en a beaucoup que j'aime, là, que je vais en garder juste une, là, j'aurais une grande difficulté. Il n'y a pas juste des crèches. Hein. Comme vous avez remarqué, cette année, notre thème, c'est les anges. Et on a des anges. On doit en avoir peut-être ici d'exposer 75-100 anges d'installer. Donc, c'est quand même important. Et puis, on a tout autant des arbres de Noël, de toutes les formes d'arbres. On a des arbres qui complètent notre collection. Donc, des moutons. Des moutons. On a aussi des palmiers. On a... Des rois mages. Des rois mages. C'est vraiment une collection complète qui vient accompagner nos crèches aussi, là, effectivement.
Habituellement, on va en acheter peut-être 7, 8, 10 par année. C'est de plus en plus difficile d'acheter des crèches, hein, parce qu'il y en a de moins en moins dans les marchés, il y en a de moins en moins. Mais habituellement, on va en acheter une dizaine à chaque année. On devient plus sélectif dans le choix. Là. Il faut que les personnages soient beaux. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit comme unique un peu. Là. Oui.